tous et à toutes, vous allez tous très bien les gars, ça va nickel. Aujourd'hui, on analyse et on décrypte le deuxième chapitre, le deuxième court-métrage de la série Héritage de Dragonflight qui va donc bien sortir tout au long des prochaines semaines en attendant la sortie officielle de Dragonflight. Il reste, je crois, deux ou trois épisodes encore après celui-ci. Aujourd'hui, on se concentre surtout sur Neltharion, Eldemort, mais avant de rentrer plus en précision, je vous passe tout simplement la vidéo et n'hésitez pas aussi, avant de commencer, à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Quel est ton nom, mon enfant ? Ardental, une commandante des Draktyr. Vous connaissez notre espèce. Vos prouesses martiales éclipsent tout ce qu'Azeroth a connu depuis bien des siècles. Avec le temps, vous égalerez peut-être notre puissance d'autrefois. Autrefois ? Que s'est-il passé ? La soif de puissance n'est jamais sans risque. Nous étions aveugles aux ténèbres lovées en notre sein. Voici les îles aux dragons. Après notre ascension, nous autres aspects avons voulu créer un symbole d'espoir pour le monde entier. Magnifique. Neltharion, mon général. En effet, nous avions tous notre rôle à jouer. Sous la houlette d'Alexstrasza, notre conscience, notre cœur, notre complicité était celle d'une même couvée. En apparence, nous n'avons pas su discerner les murmures délétères qui avaient séduit l'un des nôtres. Lorsque les démons ont envahi notre monde, nous avons bondi au combat pour le protéger, comme nous l'avions toujours fait. Sans savoir si nous reverrions un jour nos terres. Notre frère Neltharion dirigeait nos défenses pour contrer l'invasion. Mais pour la première fois, notre force s'est avérée insuffisante. Le désespoir gagnait nos cœurs. Aussi, quand Neltharion a affirmé qu'avec notre aide, il forgerait une arme capable de mettre un terme à la guerre, nous lui avons fait confiance. Et nous avons repris la lutte contre les démons. Mais Neltharion, qui s'est alors fait appeler Eldemort, s'est retourné contre son peuple. Cette trahison était d'autant plus cruelle que nous avons refusé d'y croire. Même après tout ce temps, la douleur de sa duplicité est bien pire que les cicatrices qu'elle nous a values. Ce n'est pas le chef dont je me souviens. Et si vous étiez responsable de son acte ? Tu as raté bien des événements pendant ton confinement. Mais les sables du temps révèlent tous les secrets. Même les plus amers. Fie-toi à tes yeux. Que l'élite d'Azeroth a affronté Eldemort pour la dernière fois. Il était consumé par une telle rage qu'il ne pouvait imaginer les sacrifices que nous accepterions de faire pour l'arrêter. L'arme que nous l'avions aidé à forger allait sceller sa perte. Aurait-il pu en être autrement ? Eldemort allait détruire le monde. Pour l'arrêter, les autres aspects et moi avons renoncé à notre puissance, à notre immortalité, à notre veille sur Azeroth.
Un juste retour des choses, il me semble. Vous attendez quelque chose de moi, n'est-ce pas? C'est mon don. Et mon fardeau. D'arpenter les chemins du temps. Cependant, un moment crucial, mais longtemps resté inaccessible. Et toi seul peux m'y mener. Bon, alors les gars, vous l'avez vu, on vient de le voir, donc ce deuxième épisode, ce deuxième court-métrage, alors c'est une suite directe du premier, on est toujours bien avec cette Draktyr qui nous a d'ailleurs donné son nom, on va le réécouter, et avec Nosdormu, donc sûrement que tous les épisodes vont être autour de Nosdormu, ce qui montre directement l'importance qu'il va avoir dans cette extension, et il vient tout simplement mettre en avant la trahison de Neltharion, la première invasion des légions ardentes, donc la guerre des anciens, et en fait, finalement, on comprend que cette série va nous montrer les événements les plus importants qu'ont vécu les aspects draconiques, avec et bien finalement leur naissance avec cette victoire contre Galakrond, la guerre des anciens, et juste ensuite, l'élément l'un des plus importants quand même, qui est eh bien, la trahison de Neltharion, la chute de Eldemort, et donc la fin des aspects draconiques, puisqu'ils ont en soi sacrifié tout leur pouvoir dans l'âme des dragons, pour pouvoir faire tomber Eldemort, qui avait été, après sa première chute dans le Maelstrom, relevé finalement par cette puissance des dieux très anciens un petit peu. Et donc, je crois que j'ai fait une erreur dans le premier épisode, c'est bien les murmures de Enzoth qu'ont fait tomber Neltharion, enfin qui l'ont corrompu, et pas ceux de Yogg-Saron. Yogg-Saron, c'est pour Galakrond, et Eldemort, c'est bien Enzoth qui en gros lui avait promis que s'il arrivait à... s'il l'écoutait en tout cas, s'il faisait ce qu'Enzoth lui disait, il pourrait détruire tous les autres dragons et contrôler le monde. Évidemment, on a bien vu que cela a échoué et que d'ailleurs dans une des réalités qu'on peut voir grâce à Nosdormu dans un des donjons de Kata qui est la fin des temps, en fait si Eldemort avait gagné, eh bien les DTA auraient dit, donc Nosdormu du coup aurait dit à Eldemort de s'empaler sur le temple du repos du ver, ce qu'il a fait, donc en fait il gagne, tout est détruit au contrôle du très ancien et lui meurt empalé sur le temple du repos du ver. Donc, alors, première chose très importante Commandant des Draktyr, qu'on peut voir. Vous connaissez notre espèce. Vos prouesses. Alors. Ardentale. Voilà, donc elle s'appelle... Alors attendez, parce que là on a un petit truc un peu chiant qui était le bleu. Elle s'appelle donc Ardentale, commandante en chef des Draktyr. Donc, ce qu'on pouvait supposer alors du premier épisode est confirmé ici déjà. C'est une Draktyr qui s'appelle Ardental. Et c'est bien un peu la chef de la race, la chef de la faction Draktyr. Vous savez, du coup, chaque race a un peu un leader. Et on comprend donc que Ardental est cette leader commandante armée des Draktyr. Et donc voilà, il faut un petit peu le topo. Comme quoi, Nosdormu connaît déjà bien les Draktyr. Puisque du coup, c'est bien Eldemort qui les a créés. Mais finalement, Neltharion, ce que je comprends... c'est qu'en fait finalement c'est pas vraiment Eldemort en tant qu'Eldemort qui crée les Draktyr mais plutôt Neltharion, mais peut-être qu'il avait quand même une idée derrière la tête lorsqu'il crée les Draktyr. Donc là on voit Héritage chapitre 2 et on introduit... Voici les îles aux dragons. Voilà, donc on introduit cet épisode avec les îles aux dragons. Donc c'est vraiment pour ça qu'il a cherché les Draktyr, parce que les îles aux dragons, on rappelle, se réveillent. Pourquoi? Comment? On ne sait pas, mais les îles aux dragons se réveillent après avoir été endormis. Pourquoi les îles aux dragons sont endormis, justement, ça nous expliquait ici. On l'avait un peu compris déjà lors de la cinématique CGI d'annonce de l'extension, quand ils disent il y a 10 000 ans. En gros, c'est du coup, pourquoi ils ont créé déjà, c'était un signe d'espoir et pour que les dragons aient un lieu pour vivre. Donc les îles aux dragons, voilà, où il y avait tous les temples par rapport aux dragons, etc., etc. Là où tous les vols draconiques, donc les 5 vols draconiques, pouvaient eh bien, vivre en paix, se préparer à certains combats, mais en tout cas un symbole d'espoir pour Azeroth. Qu'en fait les autres habitants d'Azeroth sachent que les dragons sont là pour protéger Azeroth et qu'il y a cette île où justement ils attendent qu'on ait besoin d'eux. Et donc en gros lors de la première invasion des légions ardentes, eh bien les dragons doivent partir se battre et donc abandonnent les îles aux dragons. Et on voit dans la cinématique CGI avec ce gardien de pierre qui va venir enlever le noyau là en haut de la flèche de tir ou quelque chose comme ça. Enlever le noyau qui fait que les îles se ferment dans un brouillard, plus de soleil, plus rien, et les dragons partent, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir, symbole d'espoir, hop, voilà, et donc oui, du coup, là, Neltharion, du coup, on voyait ça, elle dit Neltharion, mon général,
Donc là, on les voit tous. Maligos, Izera, Alexstrasza, Nosdormund, Neltharion. Il explique que chaque aspect avait son rôle à jouer. Neltharion a plutôt été chef des armées. C'était un peu lui qui organisait la riposte contre la Légion Radante. Mais tout sous la houlette d'Alexstrasza, parce qu'on rappelle que Alexstrasza a été la première à recevoir les dons de dragons en tant que proto-drake avant les quatre autres, et c'est un peu la reine des dragons, donc c'est elle la leaduse de tous les aspects draconiques, même s'ils sont quand même à part égale à la base. Et c'est ici, voilà, qu'en apparence tout allait bien, mais ils n'ont pas su voilà, discerner la corruption que Neltharion était en train de subir. Que pendant tout ce moment-là, même avant la première invasion de la Légion, Neltharion était déjà en train de succomber au murmure de Enzo. Il faut vraiment savoir que c'était le garde-terre et que sur Neltharion reposait un poids considérable, une pression énorme qui était peut-être un peu moins sur les autres, et que Neltharion du coup avait vraiment cette pression sur lui. On le voit notamment à Orok avec sa caverne où apparemment Enzo a commencé à le murmurer ici, et on voit, c'est donc imagé ici par les petites ombres. Et donc, à l'aube de la première invasion de la Légion Ardente, les dragons, eh bien, ont dû partir de leur île. On va le voir, il me semble. Ils ont dû quitter l'île aux dragons. Vous voyez ça au loin. Et voilà, ils ont dû tous quitter l'île aux dragons. Les îles, donc, s'endorment, se ferment, finalement. Et voilà. Donc, Neltharion dirige la défense contre la Légion Ardente. Donc, c'est lui qui, vraiment, vous voyez, il est montré ici un peu avec cette supériorité sur les quatre autres, que c'est vraiment lui qui va diriger la guerre contre les démons. Malheureusement, c'est lui qui est au front et c'est lui qui va donc montrer aux aspects qu'ils ne sont pas assez puissants. Ils ne sont pas assez puissants pour faire tomber les démons et que juste avec leur pouvoir de base comme ça, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible de gagner et les aspects sont proches d'une défaite. C'est ce qu'on comprend. Mais malgré tout, Eldemort, donc Neltharion, en ce moment, il ne se fait pas encore appeler Eldemort. Neltharion a une petite idée derrière la tête pour pouvoir gagner face à la Légion, mais ce que ne savent pas les autres, c'est qu'ils vont lui faire confiance aveugle, parce que c'est leur frère, ils sont tous à égalité, ils le disent, hein. Nosdormund le dit dans la vidéo, ils se considèrent tous comme de la même couvée, donc vraiment comme des frères dragons, et donc il va créer cette arme qui s'appelle l'âme des dragons. Et l'âme des dragons, c'est quoi? C'est tout simplement ce disque où tous les aspects vont mettre une partie de leur pouvoir à l'intérieur. Et tout le monde lui fait confiance, et tout le monde met le pouvoir dans ce disque. Nous avons repris la lutte contre les démons. Mais Neltharion, qui s'est alors fait appeler Eldemort. Voilà, et à ce moment-là, une fois qu'il a cette arme entre les mains, Neltharion, donc, ils reprennent le combat tous ensemble. Et Neltharion, à ce moment-là, change de nom et se fait appeler Eldemort. C'est retourné contre son peuple. Et là, il se retourne contre son peuple. Bon, là, c'est imagé par... par les flammes sur les dragons, et là voilà, vous voyez, flammes sur les dragons, mais là faut bien comprendre que c'est pas lui qui explose ou quoi, c'est vraiment, il utilise l'âme des dragons, le disque doré qu'on voit aussi, et il le fait péter sur toutes les couvées, tous les vols, et évidemment les dragons tombent, et voilà, là c'est imagé par Alexstrasza qui est donc toujours la reine des dragons, face au cadavre, ici on a l'air d'avoir un dragon noir. Et voilà, et en gros Nosdormund explique que ce qui est le plus blessant pour eux en tant qu'aspect, en soi c'est pas les victimes plus que ça, c'est la trahison d'un frère qui est donc beaucoup plus blessante que le nombre de vies qui ont été perdues. Bon, ici elle s'énerve un petit peu et dit, parce qu'elle le voit comme son général, elle ne savait pas tout ça, et elle dit c'est peut-être de leur faute si c'est arrivé, et il va expliquer que non. Parce qu'elle a raté plein de choses. Et c'est là où on tombe à Cataclysme. Donc au moment de sa chute. Donc on passe de la guerre des anciens au moment où ils se révoltent à sa chute. Donc son début et sa chute. Il nous passe toute l'histoire évidemment qui se passe entre les deux. Et le dernier moment où on affronte Eldemort, c'est un peu ce moment là où on voit pour la dernière fois les aspects draconiques, puisque après ils perdent leur pouvoir. Et voilà, c'est là où ils se réveillent tout tentaculaire, vraiment par la puissance des DTA qu'il détient en vie. Et là c'est justement où il leur reste très peu de pouvoir, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, ils mettent le pouvoir qu'il leur reste dans l'âme au dragon. On le voit à la cinématique finale de Cataclysme, où les vols draconiques sont HS, et on le voit autant par Nosdormu, qui
perd le sable du temps qu'il y a dans ses épaulières, vous savez, brisé, et le sable du temps tombe de ses épaulières, et c'est là où ils annoncent qu'ils n'ont plus de pouvoir, et que ce n'est plus à eux de protéger Azeroth, puisqu'ils n'en ont plus les moyens, tout simplement. Et donc voilà, ensuite, ça, bah, ça vient mettre fin, et il se transforme en pouf, plein de petites lucioles, on s'en souvient, plein de petites poussières, et donc sa chute a été mise ici. La fin de vidéo est encore une fois très intéressante, puisque... c'est le même déroulement, le même procédé qu'il met en place lors du premier chapitre. C'est, il nous explique une phase importante, une histoire importante avec le sable du temps. Il remonte dans le temps pour expliquer justement ici à cette Draktyr l'histoire des aspects. Donc on a vu leur naissance et là on a vu un peu leur chute avec entre les deux la trahison de Neltharion, le moment où ils se retournent contre eux, Neltharion qui devient Eldemort et la chute de Eldemort. Et finalement en fait la chute d'Eldemort entraîne un peu la chute des aspects parce que quand bien même ils ne meurent pas, ils perdent la quasi-totalité de leur pouvoir, même si on verra bien avec Dragonfly que finalement peut-être pas, mais ils perdent une bonne partie de leur pouvoir à cause de la chute d'Eldemort. Finalement, la chute d'Eldemort entraîne un peu la chute des aspects, en tout cas en termes de pouvoir, même si c'est pas en termes de vie. Et du coup, on comprend ça, et ensuite on revient au présent avec donc cette Draktyr et Nosdormu, et lui explique qu'en fait, Nosdormu, ce qu'il porte en lui, c'est, il voit le futur et c'est tout comme c'est un bienfait, c'est tout autant un péché pour lui, un fardeau plutôt qu'un péché, c'est tout autant un fardeau parce que il a tout vu, il a tout vu, il sait comment ça va se passer, mais surtout, il dit Nosdormu, il a un seul truc qu'il n'a pas vu. Parce qu'un moment crucial, justement, qui est certainement très important pour lui, il a toujours été inaccessible. Malgré tous ses pouvoirs, il n'a jamais pu voir ce moment. Mais c'est grâce à ce directeur qu'il va pouvoir le voir. Donc, encore une fois, ça tease un petit peu. Parce que du coup, c'est la seule qui peut l'emmener à ce moment-là. Donc, j'ai l'impression que déjà, il ne lui laisse pas trop le choix. Il la libère, mais tu vas taffer pour moi, ma grande. Donc, on va voir est-ce que Nosdormu est bien intentionné ou pas. Ça reste à voir. La voix qu'il a est quand même... un ton assez agressif, on voit qu'il ne laisse pas le choix, c'est vraiment une obligation qui vienne avec elle, qui vienne avec lui. Donc on verra bien, en tout cas ça tease le prochain épisode, et je pense que si on doit faire des petits pronos, le prochain épisode va peut-être être un peu plus sur le présent, avec moins de retour dans le passé, puisque là, il a fait le chemin, ça y est, des aspects draconiques, hein. Je vois pas quel moment il pourrait repasser, puisqu'on a eu la victoire contre Galakrond, leur naissance, la trahison d'Eldemort, de Neltharion, leur chute, leur fin de pouvoir. Donc je vois pas ce qui pourrait passer d'autre. Là on a vu la guerre des anciens, tout ça. Donc je vois pas quel autre événement il pourrait passer pour les aspects, les vols draconiques, les aspects dans le prochain chapitre. On verra bien. Peut-être que du coup on verra ce moment-là. Il avait besoin d'elle pour justement aller le voir. Quel est ce moment? On verra bien. On comprend. En tout cas, ça tisse fort qu'une menace s'est réveillée. Et c'est une grande menace qui s'est réveillée. Et ça n'a pas l'air d'être celle... on va commencer à affronter au début de Dragonfly. Donc une grande menace s'est réveillée. Nosdormu porte ce fardeau qui est les sables du temps et pouvoir voyager dedans. Néanmoins, il y a un élément crucial qui n'a jamais eu accès. Et il a besoin des Draktyr, en tout cas de cette Draktyr, pour y aller, pour y accéder. Et les Draktyr ont apparemment une importance cruciale dans le combat qui est à venir contre cet ennemi qui s'est réveillé. Donc c'est un ennemi qui n'était pas mort, qui était endormi, qui était enfermé. On verra bien, on sait que depuis Légion, Yogg-Saron a repris, s'est réveillé de sa chute à OTLK. Yogg-Saron, il a commencé à reprendre un peu, il reprend du service, business is business, back to the business, le petit Yogg, on verra ça plus tard. Néanmoins, voilà donc pour cette petite vidéo, ce deuxième chapitre d'Héritage Dragonfly. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis dessus, proposer vos théories, je me ferai un plaisir de les lire. Et d'y répondre, n'hésitez pas aussi, le petit like, le petit partage, le petit abonnement, la petite cloche, c'est totalement gratuit, vous, ça ne vous engage en rien. Moi, c'est un soutien énorme pour moi. Je vous dis à la prochaine, les gars, et surtout, prenez-vous tous très très bien.